Bonjour docteur. Oh putain, trop cool. Excuse-moi, j'étais déjà en ligne. Non, mais y a aucune psy de la Terre qui peut rivaliser avec toi. Ah merde, non, c'est pas des tétons que j'ai. Non, je sors du bain, de la douche. Bah, en tout cas, j'apprécie ton sens de l'accueil. Je t'entends très mal, ça coupe. Vas-y, parle pour voir. Ça fait. Qu'on parle. Bon, t'es de super bonne humeur, dis-moi, toi. Quel que cela cache-t-il, docteur? Ah, oh, n'exagérons rien. Et t'as vu, j'ai pas exigé que tu me montres le moins de tétons, hein. Tu vois, comme je suis open comme gars. Allez. Ah, parce que t'es devenu goudou? Non, mais attends, c'est quoi ce mignon? Non, arrête. J'ai rendez-vous avec une copine. De laquelle de tes dépressives est-il question, Lydia? Non, c'est pas une dépressive. C'est une fille que j'ai rencontrée à la fac. Et qui est plutôt gentille. Même plutôt très gentille. Vous avez fait des trucs ensemble? Non. Vu mon stade actuel dans la rue, faut pas grand-chose. Quoi, hein. Ton stade actuel dans la rue? Je vois un bout de peau. Quoi? 40 ans, elle est enceinte parce que tout à coup, elle s'est rendue compte qu'elle veut un enfant. Et alors? Elle l'a fait avec un type avec lequel elle va pas rester. Ah bah ça, on est au courant. Hein. Tu veux faire des enfants, faut être en province, quoi. Non. Ça se fait à Paris, mais faut être pédé au goudou. C'est pas l'idéal. Mais après tout, si. Parce qu'elle, elle habite un appart avec ses parents juste à côté. Elle peut leur refiler le môme quand elle veut. Bon, tu vois, il y a un certain nombre de choses qui font que... Et qu'est-ce qui l'amène à être étudiante? Bah, en fait, c'est parce qu'elle pratique le dessin et le modelage. Oh, s'il te plaît, fume pas de clope devant moi. Oh, bon... Non, mais tu sais, il y a la fumée qui me gêne les yeux, là. Mon allergie. Ah non, c'est vrai qu'on est par Skype, j'avais oublié, chérie. Vas-y, fume tant que tu veux, détruis-toi, mon amour. N'importe quoi. Elle fait des trucs, genre surtout en modelage. Hyper ringard. Et encore, c'est une amie à toi. Hein. Qu'est-ce que tu dis de tes ennemis? Non, mais ça peut pas s'inscrire dans quoi que ce soit de l'ordre de l'art contemporain. Peinture, elle fait des trucs que je trouve pas inintéressants. Tu vois que c'est ma copine. Et vous allez l'élever ensemble? Mais bien sûr. Franchement, depuis que j'ai épuisé le L-word, je me dis, mais qui c'est qui va passer goudou dans mon entourage proche? Et à part toi, je vois pas grand monde. Moi, je suis malheureusement à exclure. Non, t'es un grand malade, j'aime les queues. Ah. La bite me branche trop. Ok. J'ai l'impression de voir un début de film porno. Mais veux-tu que je te rappelle tes diverses expériences sentimentales avec des mecs, docteur? Je tombe amoureuse, je pète un câble. Bon, ok, c'est vrai. Je le note dans mon cahier de psy, hein, parce que moi j'ai un cahier de psy, hein. On n'est pas de la même école psychanalytique. Il faut que je m'habille. Laisse la caméra allumée devant moi. Ah. J'arrive. Eh oui, tu vois, il faut que je parte. Ah, ok. Toi, t'es sortie aujourd'hui? Enfin, comment elle va, la nazie et sa princesse? Oh, arrête, m'en parle même pas. Il y a quelqu'un qui est venu travailler avec elle et ça s'est prolongé. Et je me suis retrouvé à bouffer tout seul dans la cuisine, le repas que j'avais préparé comme une soubrette, si tu veux, pendant que les deux y parlaient et causaient comme les seigneurs. Non, cette femme est un bonheur, elle nourrit mon existence. Franchement, j'allais plutôt bien avant de la rencontrer. Jusqu'à quelles extrémités on est prêt à s'abaisser pour ne pas être seul? Putain, c'est comme ça ce que je me dis. Franchement, à un concours de lâcheté, je peux bientôt battre ton père. Non, franchement, personne peut. Si ça se trouve, je vais me révéler bien plus lâche à l'avenir. Ouais, ça se trouve. Ça mérite quelques tétons quand même. On va pas tomber dans une habitude. Tu rigoles, c'est même pas moi qui te provoque. À chaque fois, t'es distraitement en train de te tripoter l'auréole. Ah oui, j'oubliais, c'est parce que tu masses tes je sais pas quoi, là, tes nodules. Mais non, c'est complètement faux. Ou alors tu fais des trucs avec la bouche un petit peu allumeuse. Alors ça, c'est plus vrai. Mais qui t'es pris pour ton job, c'est ça la grande nouvelle. Là, ça te fait trop du bien, ça se voit. Tu vas avoir des collègues, des hommes, des femmes. Puis il y aura forcément aussi des clients qui te plairont, hein? Hein, chérie? Et il y aura des chambres à côté, hein? Hein, hein chérie? Tu me raconteras? Non, mais là où t'as pas bien compris, c'est que dans cet hôtel, le week-end, c'est des gens en vacances. Et ce sont des couples. Et depuis quand les trucs à trois, c'est pas ton truc? Bon, excuse, je suis à la rue, là. Y'a un redout là à la météo et comme je suis un peu à la ramasse niveau cul, j'arrête pas de penser à ça quoi, à peu près toutes les 3 millisecondes. Ouais, mais bon, c'est votre problème ça les garçons. Toi ton problème, comme dit ton psy, le célèbre, c'est l'absence totale de ce problème, l'absence de désir chérie. Ouais, mais on n'a pas de désir dans l'absolu, on a du désir pour les gens qui te font un peu rêver quoi. Tu veux que je t'incruse des palmiers en arrière-plan de moi? Je te ferai rêver. Non. Mais c'est peut-être parce que t'oses pas t'avouer le désir que t'as pour ta copine. Hein? Peut-être. Non. Mais quand j'aurai récupéré un peu du poil de la bête... Tu lui boufferas la chatte. Non. Ah. Je vais le rappeler. Je vais le réemmerder un peu. L'homme. Tu sais, si ça se trouve, il est dans le 36e dessous, là, ton gérôme.
Vexé comme un pou, à mon avis, il est, d'avoir vu que tu te contentais de lui serrer la main. Genre, tu sais, tu pourrais aussi le vouvoyer. Ça marche bien. Ah ouais? Tu sais, ma nana, elle arrête pas de faire ce genre de truc qui énerve. Et quand elle signifie, par exemple, qu'un entretien arrive à sa fin, là, elle fait... Ah, tu peux pas savoir comme ça marche. Et elle fait un grand sourire après. Oh bah écoute, ça t'apprendra à fréquenter des snobs. Elle est pas snob, elle est russophone. T'aurais des nibards moches. J'aurais aucune objection à ce que tu me les caches. Eh bah ouais, je sais. Oh putain, là, j'ai vu le téton. C'est pas un téton, c'est ma serviette. Franchement, c'est quel gâchis de pas en profiter. Non, c'est pas vrai. En fait, ton principal atout, tu le sais bien, c'est son tes grands yeux auréolés. Ouais. Ah. Montre-moi ce que tu vas lui faire à ta copse. Oh putain. Attends, faut que je te laisse, là. Je suis sûr qu'elle va adorer. Non mais attends, c'est quoi ce coming out? Bye. Bye.